Et bah c'est parti. Hop là. Alors. Resident Evil. Nouvelle partie de Resident Evil. Alors, écran large, oui, commande moderne, non. Je préfère les originales. Et nous allons laisser les sous-titres. Oui, en mode old school. Avec Chris. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Chris, haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. L'intro est quand même moins kitsch que la version PlayStation, mais elle est quand même. Adieu, José. This way. Damn it! Make for that mansion! Allez. Nous voilà parta, tenter de survivre dans un monde d'épouvante. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Putain, cette phrase. Is everyone all right? Barry, where's Barry? He's. No. Ah, il est mort. What was that? C'était un coup de feu. I'll go and check it out. Barry. All right. Jill and I will stay and secure this area. Évidemment. On va aller checker. Chris, take care. Yeah. Allez, c'est parti. Est-ce que je prends le ruban encreur tout de suite? Non, non, parce que la dernière fois j'ai pris le ruban encreur et c'était particulièrement pénible.
parce que ça occupe de la place pour rien. C'est ce que je le prends tout de suite aussi. Non, on va laisser ça pour l'instant, tant que j'en ai pas l'utilité. Et là, nous allons voir la célèbre scène culte de Resident Evil, le premier zombie. Si je mets les commandes originales ou les commandes modernes. Parce que j'avais commencé une partie avec les commandes modernes, en fait ça me paumait un petit peu, mais là je me rends compte que je suis un peu paumé avec les commandes originales. Bon, quoi que ça revient vite, je sais pas, on va voir. Si jamais ça me joue des tours, peut-être c'est simplement que dans les commandes originales, c'est le joystick vers le haut pour avancer. Parce que là où les commandes modernes, c'est en fonction de la caméra, il suffit d'orienter le joystick. Where did they go? Dans la direction du personnage par rapport à la caméra. Ce qui est plus intuitif, mais comme on a tout le temps des angles de caméra qui changent, je trouve que le fait de pousser le joystick vers le haut pour avancer, ça fonctionne quand même mieux dans Resident Evil. Allez, on commence avec le petit pistolet. Nous allons repartir par ici. Si je dis pas de bêtises, là c'est fermé. Non, là c'est ouvert. On sait par aller par là parce qu'on a justement dans la statue un plan. Du moins une partie du plan du manoir. On grimpe sur le meuble. Hop, voilà. C'est beaucoup plus clair quand on sait où on va. Après, si je dis pas de bêtises, par là, il y a un, deux, trois trucs à récupérer. Ou rien, si, là, quelque chose. Ah oui, les poignards. Je sais m'en servir, merci monsieur. Ça, on va anticiper tout de suite parce que je sais que juste après, on a un zombie. C'est assez chouette la manière dont c'est mis en scène. Faut pas tout de suite, et là, voilà, ça sale gueule. Allez, va-t'en, con de mime. Ah non, 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 non. Voilà. Je peux pas récupérer le couteau. Ah, c'est dommage, non, c'est seulement quand on leur explose la tête. Ah, si j'avais su. Bon, du coup, je suis allé là en fait pour rien. Parce que j'ai récupéré un couteau que j'ai planté dans la tête du zombie. Allez, on continue. Là on est relativement tranquille normalement. Je dis relativement parce que à partir du moment où on commence à voir ce qu'ils ont appelé les Crimson Heads, c'est-à-dire les zombies de base mais qui reviennent à la vie, ils sont vachement plus méchants et je crois de mémoire qu'il peut y en avoir dans cette salle. Mon copain, normalement, il est au bout du couloir. Il devrait relativement me laisser tranquille. La cassette de Kenneth, qu'on peut pas regarder.
pas le refouiller. Non, on peut pas le refouiller. Non, rien ici. Là, je crois qu'il y en a un. Non, non. Il va peut-être se relever, je sais plus. Ils sont maintenant sur le coup. Ouais, bon, ça va, ils se relèvent pas. Pour le moment. Hop, les célèbres herbes vertes. Et de une. Et de deux. Nous allons combiner de ce pas. Et là, j'arrive, ouais, partie supérieure du manoir. Ouh, je n'ai plus la carte. Que je me rappelle. On a machin, là. J'espère qu'il reste au sol, lui. Un petit peu d'herbe verte. Boum. On va combiner, hop, tout de suite. Combiner, boum, voilà. Que je n'aime pas ce cri. Là, oui, avec son arme, juste... il est juste là, bordel. Non, par ici. Hop, il n'est pas mort. Oh putain, j'ai plus de balles. On passe dans le dos. Non, 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 allez, j'avais bien esquivé, c'est pas juste. C'est pas juste. Yes, voilà. Pouh, hein, bon, on n'est pas dans Resident Evil 6 ici. Hein. Bon, je suis toujours en attention. Donc, ce n'est pas encore trop critique, sauf qu'il y a un deuxième Gugus là-bas. Là, si j'ai bonne mémoire, ouais, c'est fermé. Ça dont j'ai besoin. Je prends les balles puis je vais me barrer. Hop. Goodbye, my lover. Hop. On recharge bien l'inventaire parce que c'est plus rapide. Après, on a ça à examiner. Boum boum boum. Oh là là, la pointe peut se retirer. C'est une pointe en périto, aussi appelée l'émeraude du pauvre. Ça me fait une belle jambe. Putain, ces cris de zombies, quoi. Ah oui, non, ici c'est bon, je me rappelle, je peux pas y aller tout de suite. Pas perdre de temps. Donc j'ai ma pointe de flèche, oui, je me rappelle plutôt utiliser, on va repartir. Ah, quoique. Ouais, non, c'est intéressant que je continue par là, en fait. J'ai un autre objet que je vais devoir récupérer un moment ou un autre. J'essaie juste de pas me faire bouffer par le zombie. Mais j'ai un long couloir qui devrait me laisser assez de recul. Mais non! Voilà, donc là, c'est pas bon quand on commence à se tenir les côtes comme ça. Hein. Se soigner tout de suite. Petit. Bim. Headshot. Oui, headshot. Ça, c'est cool. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Si j'ai pas de mémoire, on a une porte verrouillée, on a Resident Evil, c'est le manoir où les gens ferment tout le temps la porte derrière eux. Ou alors, ils ont des clés et ils vont planquer les clés dans un coffre qui lui-même est fermé par une serrure à triple mécanisme où il faut aller chercher je ne sais quoi aux quatre coins du monde.
petit. Viens me manger. Je suis bon. Voilà. Hop là, un petit poignon. C'est l'avantage avec les zombies, c'est que c'est relativement débile. Hop là, d'ailleurs, on va profiter de ça. Ça libère de la place. Dans la main de la statue. La statue qu'on va pousser ici, puis hop, ici, hop là. Ce qui nous permettra de facilement récupérer il est là-bas. Facilement récupérer la pierre quand on sera redescendu. Donc là, je suis dans la. Je suis au-dessus de la salle à manger. On arrive au début du jeu. Petit. Il faut que je vérifie où il s'est brouillé, l'emblème d'une épée sur un scène. Ouais, parce qu'il y avait qu'une clé, mais non, il y a la clé épée, il y a la clé bouclier, il y a la clé casque. Je crois que c'est tout. Il semble qu'il y ait 4 clés. Il doit y avoir une clé armure aussi. Hop là, ça c'est verrouillé de l'autre côté. Regarder dehors, non, possible de voir quoi que ce soit. Hop, là c'est fermé. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, armure, donc c'est ça. C'est l'épée, très bien. Ah, il y a un petit truc que j'ai pas fait. Un petit truc rigolo que j'ai pas fait, c'est quand on descend par là. Hop là. Tiens, salut, Jimbo Seb. Voilà, le cri qui fait plaisir. Ouais, c'est vrai que ça rappelle de bons souvenirs, ce jeu. Déjà, de base, le premier Resident Evil, cool. Mais en plus, la version GameCube était vraiment cool. Et là, avec les graphismes HD et tout, c'est bien fluide, bien sympa. Toujours aussi dur, d'ailleurs, heureusement. Alors là, de mémoire, si je me débrouille bien, je dois pouvoir relativement facilement les esquiver. Ils sont pas très bons. Alors, nana, oh là là, il y a une forme de pointe de flèche. Mais on se dépêche. Bien rassurant. Alors, on prend les grimoires. Ouais, ici, tac. On examine. Oh là là, une ouverture sur le côté. Non, ça commence comme ça. Ah non, c'est là. Il y a une clé au dos du livre. Resident Evil, c'était aussi le jeu où tu passais à chaque fois ton temps à examiner les objets. Le grimoire, les quatre masques, un masque qui ne parle pas du mal, un masque qui ne sent pas le mal, un masque qui ne voit pas le mal, un masque incapable de parler, sentir ou voir le mal. Lorsque les quatre masques seront à leur place, le mal s'éveillera. Soin. Voilà. Donc je disais, oui, on passe son temps à examiner les objets. Pourquoi? Parce que là, ça s'appelle clé du manoir. Si on examine, on retourne la clé, il y a une épée, ça devient la clé épée. Et donc toutes les serrures avec une épée, nous allons enfin pouvoir les ouvrir. Voilà. Voilà. Si je trace, je dois pouvoir, je pense, esquiver les deux. Bim! Et voilà! C'est qui le patron? Ok, ça c'est fermé. On trace.
Et voilà, c'était facile. Donc, maintenant que j'ai la clé épée, je vais pouvoir ouvrir toutes les serrures où il y avait une épée, sauf que je ne m'en rappelle plus, comme à chaque fois. Ça c'était quoi? C'était armure, on a dit. Ah non, épée. Voilà, voilà. Est-ce que je commence par celle-là? Est-ce que j'entends d'autres? Je ne sais pas. On va tenter par là. Il est mort? Je peux croire qu'il est mort. Ah si, il est mort. Donc non, ça va accéder, mais hop. Merde. Bientôt plus de balles. Ah, moi aussi. Ah non. Oh. Just in time. J'ai dit qu'elle était fermée, celle-là. Voilà. Ah, de mémoire, il y a un truc cool, ici. Mais c'est brouillé. Oui. Double plaque en bois. Je vous laisse examiner. Se trouve à l'intérieur, il n'y a rien d'écrit dessus. D'accord. Je peux poser ça. La porte est verrouillée, tu m'en diras tant. La porte est ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Le journal est ouvert, la page sont vierges. Hein. Il n'y a rien? Il me semblait qu'il y avait un truc dans ces pièces. Bon, ça doit être bon. Hop, au revoir monsieur. Ah ouais, donc on va descendre. Et, par contre, en bas, si je dis pas de bêtises, on a aussi un sauvegarde. Là, je suis plus bloqué. Non. Ah, c'est vrai qu'ils descendent les escaliers dans celui-là, les zombies. Zut. Bon, salle de sauvegarde, si je dis pas de bêtises. Oui. Alors, nous avons la gourde. Hop, ça, on va le caler là-dedans tant que je sais pas à quoi ça sert. On va remplir la gourde avec le kérosène. Ça permet quand on a tué les zombies de les brûler pour éviter qu'ils reviennent justement. Hop, petit ruban encreur, et on va pas être trop téméraire en se disant. C'est pas un papier au sol? Ah, si, c'est un papier au sol. Ah, et voilà, c'est ce qui explique la destruction des cadavres. Vieille clé, ouais, c'est ça, intéressant. Où se garde notre probation? Oui. Hop là. Maintenant, il va s'agir de sortir de la salle de sauvegarde sans se faire bouffer. Est-ce que je prends le spray de premier secours?
50 et 100, je viens de sauvegarder de toute façon. Aïe 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 aïe. Plutôt rapide. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi dans celui-là, il y a des portes, si on les utilise trop, les poignées cassent. Donc évidemment, on peut toujours revenir en faisant un détour, mais ça oblige à faire un détour. Ok, ok, alors qu'est-ce qu'on a ? L'homme de la famille Spencer est gravé sur la poignée, il faut une clé spéciale ! Non, 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 non ! Oh là là, je suis déjà en attention, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Alors ici... Ici c'est quoi déjà? Ah oui. Ça de mémoire, c'est une pièce qui est piégée parce que dans la pièce d'à côté, on peut récupérer le fusil à pompe, mais ça déclenche un mécanisme qui fait que je sais plus, soit le plafond descend, soit les murs se rapprochent, un truc comme ça. Du coup, ça fait qu'on ne peut pas vraiment prendre le. Est-ce que je prends le bon encore? Non. Pas tant que j'aurai des balles pour venir tuer les zombies là-bas. Donc je ne prends pas le fusil parce que sinon ça déclenche le piège. Il me semble qu'il y a un fusil cassé quelque part qu'il faut récupérer. On vient ici, on prend le vrai fusil, on pose le fusil cassé et ça empêche le piège de se déclencher. Par contre, ce serait bien que je trouve de quoi me soigner parce que je déteste me balader comme ça. Qu'est-ce qu'on a dans cette pièce? Ah oui, ça y est, je me rappelle ce qu'on a dans cette pièce. On a une baignoire. Est-ce que je tente le coup? On a une baignoire. Et au fond de la baignoire, on a un... Je vous le donne en ville. On a un zombie. Hey, salut Greg. Est-ce que j'ai le temps de me faire un couteau? Non, oui, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas mon flingue? Ah putain, j'ai rien d'équipé. Je suis mauvais. Allez. On va se finir au couteau, on y croit. Meurs. Ouh, je l'ai. Et au fond, on a une vieille clé. Youhou! Ça tombe bien, j'en avais déjà une. Alors. Je crois que la clé, je peux m'en servir ici. Utiliser une vieille clé, oui. Je sais plus ce qu'il y a de l'autre côté. J'ai peur qu'il y ait, je sais pas, des chiens ou beaucoup de zombies. Oh non, oh non, il y a des chiens. Substance chimique, c'est pour quoi faire ça? C'est pour la plante. Ouh, par contre, il y a... Ah, ça c'est cool. Oh non! Ah, j'ai plus de place. Zut, qu'est-ce que je peux faire? Je vais pas le cacher, il va venir. Putain, le chien va venir. Je l'entends courir, il va sauter. Non, c'est bon. Alors, une balle, un poignard, un couteau, de l'essence. Je sais pas si je suis spécialement bien loti. Oh là là, mais je voulais prendre des balles.
si j'ai plus de place, je vais pouvoir prendre deux balles. Oh non, non. Je peux pas tuer un chien avec une seule balle. Qu'est-ce que je peux faire? Normalement, la pièce au bout du couloir, elle est fermée avec la clé épée. Donc si je cours, que j'esquive le chien, je dois pouvoir ouvrir la porte. Comme ça, après, j'irai explorer la partie ouest du manoir. Mais ça implique que je ne meurs pas. Est-ce que j'utilise mon herbe verte? Oui, sinon je vais pas courir assez vite. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Cours au fond du couloir. Braque à droite. Fais des petits zigzags, histoire que le chien soit perdu. Ouh, c'est bon, il est RTB. Ben voilà, c'était facile en fait. C'était facile. Donc là, je me retrouve ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ma clé épée? Peut-être en haut. Est-ce que je commence par en haut? C'est le casque. Il faudrait appeler casque. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà ouvert, c'était la clé épée. Je pense que là c'est pas la clé épée. Ah, armure. Donc là, oui, puis l'autre côté. Là, j'ai un zombie. En haut, sûr. En bas, j'aurai un zombie aussi dans le couloir. Qu'est-ce que je tente? J'espère juste qu'il n'est pas juste derrière la porte. Bruit, je dirais qu'il est de l'autre côté, c'est très bien. Mince, j'aurais dû regarder si l'autre porte, je pouvais l'ouvrir avec ma clé, je pense. Demi-tour. Putain, quand je vais avoir les zombies qui se réveillent, si je trouve pas d'armes d'ici là, je vais être dans la merde. Voilà, clé épée. Clé épée, ouais, ça je vois pas où est-ce que c'est. On va y aller quand même. Avec de la chance, j'aurai des balles. Voilà, j'utilise la vieille clé, comme ça, ça me libère de la place dans l'inventaire. Putain, j'aurais dû jouer avec Jill, en fait. Avec Jill, on a plus de place dans l'inventaire. Des herbes vertes. On n'a pas beaucoup à utiliser. Je sais pas, je me sens comment. Ouais, si, ça peut être intéressant de les utiliser. Ah, je crois qu'il y a un mec au bout. Ah putain, là, c'est aussi un coin où il y a des chiens, je crois, non, peut-être des corbeaux. Il semblait qu'il y avait le cadavre d'un mec, le cadavre d'un Stars, pardon. Ça sert ça? Peut-être un raccourci? Ah ouais, un raccourci pour éviter les zombies. Mais du coup, après, comme il y a les chiens ou les corbeaux, en fait, t'as le choix entre
La peste et le choléra. Oups là, c'est verrouillé. Ok. Qu'est-ce qu'on tente? On tente en bas. En bas, j'ai une salle de sauvegarde, mais j'ai un zombie qui monte l'escalier. Je n'ai qu'une seule balle. Que faire? Revenir plus tard me semble une bonne alternative. Oups là, allez vous faire des câlins. J'espère qu'ils sont pas relevés, j'espère qu'ils sont pas relevés. Croisons les doigts. Est-ce que je les crame? Ah mais y'en a un, je l'ai choté. Putain, il faut que je le crame, c'est trop dangereux. Porte est pourrie, puis de l'autre côté, bah ouais, puis de l'autre côté j'y étais, mais il y a des zombies quoi. Et merde, oh putain. Je me rappelle plus. Ils ouvrent les portes ou ils ouvrent pas les portes? C'est quoi ça? C'est des corbeaux? Ils ouvrent pas les portes. Mais il faudra surtout pas revenir cette pièce. Ah putain les corbeaux. Oh putain des balles. Alléluia. Voilà, je ne me sens plus tout nu. Alors, on respire. Donc en bas, je vais avoir le zombie du début que je n'ai pas tué. Que je vais peut-être tuer ou pas. Putain, ces plans de caméra trop stressants. Ouais, il est au bout. Juste là, le con. Bim, headshot. Ça c'est cool. Je ne sais plus quelle clé il faut ici. La clé épée. Plus besoin de cette clé. La jeter? Non. Non. Parce qu'elle me sera utile. Je crois. Est-ce qu'on a là une mini-clé? Est-ce que je la prends pas? Ici. Porte est verrouillée depuis l'autre côté, ok. Putain. Est-ce que je le crame? Poignard sur la table. Voilà. Ouais. Rien d'autre. Je sais pas, là dans le frigo peut-être. Essayer d'aller au fond. J'ai peur de ce que je vais trouver. Non, c'est bon.
couper. Ah oui, il faut revenir ici quand on a remis l'alimentation. Est-ce que je prends la petite clé? Allez. Je prends la petite clé. Bon. Oh non. Non, c'est quoi ça? Donc, faisons le point. Ici, il y avait quel endroit? Oui, il y avait cette partie là où j'ai dit il faut que je revienne quand j'aurai des balles. Sauf que j'ai un Crimson Head à buter. Je peux tenter d'aller tout en haut pour éventuellement récupérer une nouvelle clé. Je sais où il y a une nouvelle clé, mais j'avais besoin d'ouvrir toutes les portes avec ma clé épée. Parce que quand je prends la clé, je sais plus ce que c'est, casque ou bouclier ou armure. Une des trois. Ça déclenche un piège et il faut reposer la clé pour annuler le piège. Du coup, je prends la nouvelle clé, je pose l'ancienne. Et putain de corbeau. Et ça devrait être bon. Je sais plus ce qu'ils font. Mais dans le doute, je préfère marcher. Voilà. Sésame, ouvre-toi. Ce serait peut-être pas mal que j'aille sauvegarder avec ça. J'avais pas dit qu'il y avait un Crimson Head ici. Il est parti. Est-ce que je le crame? Je vais noyer le crame. Non? Burn, baby, burn. Eh mais non, mais reste pas dessus. Ça l'a blessé, ça. D'accord, Claude il est dans le couloir en fait. Alors, si ma théorie est juste, je vais ici. Ok, donc du coup j'ai la clé épée dans mon inventaire qui ne sert à rien. Le seul coffre auquel j'ai accès, il est encerclé de 3 zombies. Et là j'ai un Crimson Head qui m'attend. On va passer par en bas. En rouge, c'est les pièces que je n'ai pas fouillées entièrement. C'est ça. Utile d'ailleurs. Bon. Dans tous les cas, je descends comme ça. Le zombie rouge, il reste tranquillement où il est. Voilà. Les corbeaux. Les amours de corbeaux. Je peux peut-être essayer de choper le ruban empereur si je vais
ça peut être pas mal. Ça c'est vert, donc j'ai tout fouillé ici, c'est une bonne chose. Ici, normalement, il me reste le bouclier au-dessus de la cheminée, une espèce de pierre au sol. Une espèce de pierre bleue qui est là. Joyau bleu, on va le prendre tout de suite. C'est le ruban. Voilà. Par où est-ce que je vais? Est-ce que j'essaie de me faire le chien? Ah, j'aimerais bien attendre d'avoir le fusil à pompe pour me faire le chien quand même. Parce que si je passe par en haut, boum boum boum, je passe par là, est-ce que j'ai des zombies? Hey, y a la pièce au bout là-bas que j'ai pas faite. Ah mais oui, mais parce qu'il y avait un zombie dans le couloir et que j'avais pas de balle. Donc, tac. Ouais, faut que je passe les 3 zombies. 3 zombies, j'ai quoi, 12 balles? Youhou, 12 balles et un couteau. Allez, flash. Voilà, encore un zombie qui se relèvera dès qu'il en aura l'occasion. Donc là, oui, il y a quand même bien quelque chose à fouiller dans cette pièce, puisqu'elle est encore rouge sur la map. Ah, voilà. C'est un truc pour attirer les chiens, ça. L'usage des plantes médicinales, blablabla, blablabla. Ça nous explique le principe des herbes bleues, rouges et vertes. Oui, du coup, la pièce est encore rouge. Je commence par me faire lequel? Celui au bout, celui à droite. Non, 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 non. Allez, une balle de perdu. Qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à monter les escaliers? Oui. Bah vas-y, dégueule! Oh mais il va me tuer ce con! Oh là là, foiré quoi. Bon, ça c'est cool. Je vais remplir ma flasque. Quoique non. Peut-être attendre qu'elle soit vide avant de la remplir. Alors, un petit ruban encreur. La petite clé pour l'instant, on va la poser. Oh putain, je voudrais pas l'utiliser, le spray de premier secours. Ah non, il y avait le... Il y avait le balcon là, où j'avais une herbe verte et une herbe... Déjà, sauvegarde. Ce sera pas de mal.
ça, c'est fait. J'espère que je ne vais pas mourir. Est-ce que j'essaie d'aller sur le balcon où il y avait du truc? C'était où? C'était en bas? Oui, c'était en bas. Boum boum boum. Ouais, j'ai tenté, c'est pas très loin. C'est pas très loin, puis je crois qu'il y avait un bout de... Ah merde, la poignée va casser. Ah mais je crois qu'elle casse que dans un sens. Je vais toujours l'ouvrir dans l'autre, mais ce sera dans celui-là où ça a pété. Meurs, meurs, non, 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 non. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je prends trop de risques, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Je vais d'abord me soigner. J'espère juste que je ne peux pas croiser d'être malveillant. Oh là là, puis j'ai de nouveau plus de balles. Je ne pourrais de nouveau pas tuer le chien dans le couloir. C'est pas ici que je vais aller, c'est ici. Chien, laisse-moi juste prendre l'herbe rouge, laisse-moi juste prendre l'herbe rouge. C'est mort, c'est mort. Il va me tuer. Herbe rouge, herbe rouge, herbe rouge. Yes, menu. Ok, combiné, utilisé. Voilà, on pète la forme maintenant. On court. Avec la célèbre technique du petit zigzag. Voilà. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Ah oui, il reste le désherbant. Alors, qu'est-ce que je tente? Est-ce que je tente là-bas? Non, il y avait en haut. Pas trop de risques. Hop. Et hop. Je sais pas si on y voit grand chose. J'ai bien envie d'augmenter un tout petit peu la luminosité quand même. Voilà. Ce serait peut-être un peu mieux. Nous disions, donc là, non, c'est fermé, par contre ici, c'est ouvert. Est-ce que j'ai besoin de repasser? Alors lui, je vais le cramer, je pense. Faire le plein de kérosène. Et nous revoilis par table. Voilà. Les lieux de passage comme ça, genre les escaliers, c'est mieux de les cramer, les zombies. Ah, évidemment, lui, pareil, je l'ai tué. Je l'ai tué en plein dans le passage.
été plus pratique de le tuer au bout du couloir, mais non. Ah, ça c'est bien ça. Je vais pas la prendre tout de suite, c'est peut-être plus utile d'abord. Cheminée sans feu. Ah, ça y est, je me rappelle à quoi sert le truc en bas. Bah, du coup, on va aller le chercher tout de suite. J'espère juste que l'autre ne va pas s'enlever tout de suite. Est-ce que je le crame? Ah ouais, j'ai pas envie de tenter le game. Je vais le cramer aussi. Ça et je prends la plaque en bois. Plaque en bois qui contenait une feuille vierge que je vais appliquer sur le dessus de la cheminée qui rougeoie, ce qui va chauffer le papier et faire apparaître la carte du premier étage du manoir, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. J'ai pris la carte, c'est cool. C'est verrouillé, emblème casque, ok. Donc, je récapitule. Verrouillé, là c'est ouvert. Ah oui, j'avais un espèce de sifflet à récupérer. À gauche. À gauche, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai plus grand chose, alors peut-être à droite, au nord, là où je ne suis pas allé tout à l'heure. Après, il y a la clé armure, mais je sais plus exactement ce qu'il faut faire pour que je fasse. Sachant que j'ai toujours le bouclier dans un coin, l'émeraude bleue que je ne sais plus à quoi elle sert. Quoique ça me parle si il me semble que c'est un endroit, à un moment donné dans le manoir. Faut mettre une émeraude bleue et une émeraude rouge, je crois. Qu'est-ce que je disais? Oui, récupérer l'espèce de sifflet là, ça me donnera peut-être un indice. Pas de poignée, je ne pouvais pas passer. C'est pourri ça. Une porte à sens unique. Alors, qu'est-ce que c'était ça? Sifflet pour chien, putain. Le mot chiffonné aujourd'hui, Sir Spencer m'a demandé de bien cacher quelque chose. Ah ouais, c'est vrai. Il y a un chien qu'il faut tuer. Là, je n'ai plus de balles. Je n'ai plus de balles. C'est toujours rouge.
Ah bah voilà. Il suffisait de s'en plaindre. Voilà, ce coup-ci la pièce est verte. Ok. Bon, bah on va tenter de se faire le chien. Le pistolet. Alors, le balcon du premier étage. Ouais, je vais au bout du couloir, bon moment, et après j'y suis, facile. Le couloir par ici, tout à fait. Et voilà, j'ai la musique dans la tête. Toi, t'es une tête de... Non, c'est bon. T'es une tête de zombie mort. Je vois des zombies morts. Tu es un manoir full of dead. Et plein de zombies. Allez. Vous avez soufflé dans le sifflet pour chien. C'est moi ou je viens juste de gaspiller deux balles là. Voilà, ils sont impossibles ces clébards. Mais l'autre. Non. Et voilà, je suis presque mort. Ouah. Alors, examinons le collier. Poutons un pied dessus. De clé. Cool. Je sais exactement ce que je dois en faire. Il semblait bien qu'il y avait des chiens ici à un moment donné. Combien de balles du coup? 4. Super. Soigné. Oui, j'ai tout soigné. Pas mal. Pas mal. Donc là, le problème, c'est que si je passe par là, j'ai mon Crimson Head. Je fais tout le tour. Ouais, on va faire ça. Prudence et mère de sûreté. Quel genre de chevalier êtes-vous donc? Le genre prudent. Est-ce que j'ai été assez bête pour garder la clé épée? Oui. Oh, le noob. Le noob. Bon, c'est pas bien grave. Je la reposerai à l'occasion. Alors là, normalement, on a toujours les corbeaux, qui j'espère vont rester sur leur perchoir.
un truc là. Non. Sinon ça va, c'est pas du tout oppressant comme ambiance ce jeu. Je sais pas si il est toujours là l'autre, je pense que oui, j'ose pas les vérifier. Voilà, donc deuxième tentative, ce coup-ci avec la bonne fausse clé. Ça c'est fait, je l'examine, c'est une magnifique clé armure que j'avais déjà fait tout à l'heure, ça servait à rien. Ensuite la map, qu'est-ce qu'on a au bout là comme pièce? C'est verrouillé, clé casque, il faut... tant pis. Tant pis, tant pis. J'aimerais bien essayer de rejoindre le point de sauvegarde en bas. Peut-être que la clé armure pourra m'aider à y parvenir. Hey, salut Harvey. Pas par là. Pas par là. C'est un peu plus long, mais... on va prendre les chemins sur... j'ai oublié les corbeaux. Ça se trouve, ça sert à rien que je marche, mais je me stresse tellement. Je préfère éviter de courir. Alors non, là c'est bon, je peux courir, il y a normalement ni zombies ni Cormac. Alors là nous disions, c'est quoi, c'est fermé depuis l'autre côté. Et là, là. Clé armure, ok. Donc, si j'ai bonne mémoire, je rentre. Ah non, c'est pas ici. Ah non, le point de sauvegarde, il est là-bas. Bon, on va voir. Hop. Oui, bah je stream, disons que ça dépend des jeux. Hein. Des fois ça m'arrive le soir. Je me dis, ça coûte pas plus cher de mettre un stream. C'est toujours plus rigolo, surtout pour les jeux un petit peu angoissants comme ça. Ouais. Au moins les gens stressent avec nous, quoi. Eh oui, le piano avec la célèbre sonate au clair de lune. Alors comment ça marche déjà ici? C'est ça qu'il faut que je pousse. Partition musicale. Putain, il faut vraiment que je trouve un coffre pour poser cette clé qui ne sert à rien. Je peux pas l'acheter. Évidemment, c'était trop simple. Alors, une partie des notes a disparu, ne laissant que le début et la fin de la partition. Note manquante. Ah oui, c'est ça. Et avec Jill, comme elle a fait un peu de piano, elle peut le jouer sans. Et avec Chris, comme elle n'a pas fait de piano... il a besoin de la partition complète. Un toit en bois et de chêne, blablabla. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans?
c'est rouge parce que piano à queue. Si j'utilise la partition sur le piano à queue, normalement il va jouer faux, je crois. Non, c'est pas ça? Ah non. C'est tout ce qu'on peut faire ici. Ah, je suis un peu déçu. Allez. Ça a l'air de dire qu'il y a des trucs là. Soyez sympa, donnez-moi, je sais pas, moi, un fusil à pompe, quelque chose. Si je pousse le meuble dans l'autre sens. Non. Niette. Ouais, je pense qu'il me faudra la partition complète pour jouer du piano, ouvrir le passage secret, et boum. Là, du coup, ça marchera. Par là, y'a rien. Par là, y'a rien. On ressort. Bon, moi je voulais rejoindre un coffre, mais ça implique de passer par beaucoup de zombies. Après, je peux aller sur la droite. Bam bam bam, je passe par en bas. Ouais, si, allez, je peux aller rejoindre l'autre coffre là-bas. On va déjà faire ça. J'ai combien de balles? Déjà 4, super! Est-ce qu'avec 4 balles, je peux tenter le chien zombie qui traîne dans le couloir? C'est en fait dans le couloir où j'ai laissé traîner un chien zombie, je sais que je peux récupérer des balles. Bon. Si c'est pour cramer 4 balles plus de la santé, je ne sais pas si c'est forcément la meilleure idée qui soit. Parce qu'après, oui, ici, j'ai quand même des portes, ici. C'est brouillé, casque, okay, super. En haut de mémoire, il y a un casque ou une arme. Yes, c'est clair. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? J'ai un espèce de balcon. Mon inventaire est plein. Ouais, c'est pas une bonne idée. On retournera tout à l'heure. Je vais d'abord faire un peu de place dans l'inventaire. Normalement, là, j'ai un chemin dégagé jusqu'à la salle de sauvegarde. Presque. Il y a une pièce où j'ai laissé traîner un ruban encreur, mais je ne sais plus où. Ah si, c'est la pièce en bas où il y avait le fusil à pompe. J'aurais presque pu y aller. Mais il faut que je passe par le truc où il y a le chien zombie. On verra. Pour l'instant, je ne suis pas en manque de ruban encreur. Ne prenons pas de risques inconsidérés. Je vais passer par là. Donc là, normalement, j'ai cramé tout le monde. Oui, j'ai cramé tout le monde. Il y en a un que j'ai pas cramé, mais parce que je l'ai fait un headshot. C'est quoi ça? J'ai laissé des munitions dans la pièce de droite. Je vais essayer de trouver une issue. Wesker. Oh. Est-ce que le mot était là tout à l'heure? Parce que s'il a vraiment laissé des munitions. Yes! Tu gères, Wesker. Bon, même si. Au final, on sait tous que il gère pas tant que ça. Donc ça, je balance. Ça, je balance. Enfin, je balance. Je mets de côté pour l'instant. Vision. Spray. Des munitions de fusil que je n'ai pas encore le fusil. C'est-à-dire que potentiellement, je peux l'avoir. C'est-à-dire que si je fouille un petit peu, je devrais tomber dessus. Hop, on met les sprays ensemble. On va regarder un peu tout ça. Je
voilà qui est fait. Alors, nous disions petite sauvegarde. Est-ce que je sauvegarde maintenant? Oui, ouais, c'est bon. Ouais. De toute façon, on n'est pas là pour faire le jeu en speedrun avec le moins de sauvegarde possible. On est d'abord là pour faire le jeu. Boum. Alors, j'ai des munitions. Est-ce que je tente de me faire le chien dont je parle depuis tout à l'heure? Ou est-ce que je vais me farcir les zombies là-bas qui me gênent? Je ne sais pas. Sachant que là j'ai cette espèce de balcon aussi où je dois aller. Le balcon. Aller au balcon. Selon ce que je trouve, je verrai. Mais après j'irai sans doute là où il y a le chien, je tue le chien, je récupère les balles. Ensuite, je vais là où il y a les zombies. Et je vais trouver la salle de sauvegarde qui est à l'est du manoir. À l'est, à l'ouest, puisque je suis à l'est. Tac tac tac, c'est par où? C'est par ici. Il y a l'autre. Si c'est transformé. Écoutez, j'ai bien envie de le cramer, oui. J'ai bien envie de le cramer. Que je passe trop souvent ici. Et ah, fruity! Ça m'a blessé beaucoup. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, espèce de balcon. Ah, je crois que c'est là où on retrouve un mec. Zombie. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Poignard, je prends. Prendre vert pour utiliser le banc comme support. Lui, c'est Forest de l'équipe Bravo, c'est ça. Non. Comment il va se relever, ça? Allez! J'ai pas chopé un poignard moi là? Incroyable ce mec! Putain, d'ailleurs, il est toujours pas mort. Ouais. Président de tes villes, pour choper deux plantes vertes, tu te fais blesser. De quoi être soigné par deux plantes vertes. Il a rien sur lui, j'étais persuadé qu'on récupérait un truc intéressant sur lui. Que nous dit la map? Ah non, c'est vert. Ok.
Ok, ce qu'on récupère, c'est des plantes. Est-ce que je tente de me faire le chien en bas? Je ne sais pas. Parce que potentiellement, avec 11 balles, je pourrais me faire les deux autres zombies qui me gênaient. Mais j'ai besoin de balles pour le chien. Ouais, si, ça me permettrait d'en récupérer 15. Ouais, je vais tenter. Je vais tenter. En plus, j'ai de quoi me soigner. J'ai des balles. Tentons. Après, ça se trouve, le chien, il sera pas là. Chien. Allez, couteau. Se soigne. Pistolet. Non, 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 non. Il est mort. Il est mort. Fou. Et donc, ce qui m'intéressait depuis le début, des munitions. Boum, boum, boum. Donc maintenant... Maintenant... Ouais, maintenant on va faire ça. Passe par le premier étage. Par ici. Mon ami le zombie, il est toujours de l'autre côté, ça me va très bien. Alors, je passe par là. Là, normalement, j'ai potentiellement un, voire deux zombies à descendre. What? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai ouvert cette porte? Non, 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 non. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a l'autre qui ouvre la porte, c'est ça? Alors, d'abord, là, je déverrouille. Ensuite, putain, justice, justice, justice. Là, c'est brouillé, casse kick. Là, je l'esquive normalement l'escalier, je sais que j'ai une salle de sauvegarde juste là. J'espère que ma mémoire ne me fait pas défaut. Rock and roll.
grotte. D'accord, pas trop grand. Tenant. Ça, on va le ranger pour le moment. Et je pense que ça sera tout pour ce soir. Je vais bientôt être en panne de ruban encreur. Je sais où je peux éventuellement retrouver. J'ai notre ruban encreur. Yes. Boum, boum. Et ben voilà. C'est plutôt pas mal. 1h30 de Resident Evil sans mourir. Je suis plutôt assez content de moi. Bon, et ben sur ce, je coupe le stream, et puis merci à ceux qui ont suivi, et puis ben, à plus pour ceux qui viennent régulièrement. Ciao tout le monde!